Salut les amis de la brique, voilà, bah écoutez, je vais pas passer par quatre chemins, j'en ai un peu marre et les vidéos marchent pas des masses. Voilà, je pense que je vais manquer à personne. Ouais, vous voyez, même lui s'y met, alors. Bah voilà, j'ai. On arrête. C'est pas grave, c'est comme ça. Vous avez cru ou quoi? Y'a que moi que ça fait rire. Ah, vraiment? Ouais, lui, il voudrait bien que j'arrête. Non, voilà, honnêtement, j'arrête pas. Ne vous inquiétez pas, je vais pas m'arrêter, j'ai pas du tout envie. Mais par contre, il y a deux, trois petites mises au point qu'il faut que je fasse parce que c'est quand même compliqué. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je fais des vidéos tous les samedis, des petites vidéos le mercredi. J'ai voulu en faire encore plus. J'ai inclus du coup le lundi. Je voulais encore rajouter des trucs. Mais je me rends compte que c'est juste pas possible pour moi. Les lives aussi, vous avez remarqué que j'en avais fait un ou deux début de l'année, janvier, février, je crois un petit peu. J'avais mis des lives entre. Mais pareil, c'est trop compliqué pour moi. Ça me plaît beaucoup, hein, j'ai envie de partager comme ça. Mais c'est trop compliqué. La chaîne, j'en vis pas, c'est pas mon job principal, j'ai un job à temps plein. Autre, donc je passe quand même beaucoup de temps sur ces vidéos, parfois des week-ends entiers, à tourner plusieurs vidéos pour quand j'ai une sortie le week-end de prévu en famille, etc., ben, que j'ai quand même une vidéo qui sort. Et tout ça devient un peu, entre guillemets, une petite contrainte, si c'est. Je fais ça encore avec beaucoup de plaisir, mais parfois, eh ben, je me sens obligé de sortir une vidéo, je me sens obligé de faire ci, ça. Et du coup, ça s'en ressent dans les vidéos. J'ai plusieurs vidéos dont je regrette le montage, qui n'était pas bon. Le concept avec Benoît, je voyais ça vraiment autrement, mais j'ai pas eu le temps de faire le montage que je voulais. Même si pour le troisième épisode, j'ai un peu changé le montage. J'ai un peu amélioré la chose, mais c'est toujours pas le rendu final que j'aurais voulu. Et du coup, je me rends compte que ben, je gâche pas mal de vidéos que j'ai sorties pour sortir et qui au final sont pas optimales. Comme la vidéo de Maman, j'ai raté l'avion. Je regrette énormément d'avoir fait une vidéo aussi longue et je le ferai plus du tout. Même pour les prochains, même pour les plus petites boîtes, je ne m'amuserai plus à faire ce type de montage. Je ferai montage étape par étape où je parle un petit peu entre, mais pas à chaque sachet parce que c'est ridicule et je m'en rends compte. Et voilà, bah on apprend de ses erreurs, mais au final, c'est des erreurs que j'aurais peut-être pu éviter en me prenant un peu plus de temps pour faire les vidéos, faire le montage, etc. Pour ceux qui font des vidéos, vous savez que ça prend énormément de temps, le montage surtout, surtout que je fais rarement des montages où je mets juste bout à bout. J'essaye quand même de faire pas mal de montage, même si peut-être on s'en rend pas compte. Je passe énormément de temps, en moyenne je passe une heure et demie par vidéo quand je me dépêche. Quand je me dépêche. Quand je me dépêche pas, ça peut être beaucoup plus long. Et voilà, le problème c'est ce côté de se dépêcher, j'ai plus envie. J'ai plus envie, j'ai envie de sortir des vidéos qui soient un minimum. Je suis pas pro, donc elles seront jamais au top du top. Mais au moment où je mets la vidéo en ligne, je veux que pour moi en tout cas, elle soit parfaite ou à peu près parfaite, mais voilà, je veux me prendre plus de temps. Donc, ça ne veut pas dire que je ferai moins de vidéos. Je vais essayer de continuer de faire les vidéos du samedi tous les samedis, de faire les vidéos du mercredi parce que ça reste des petites vidéos. Mais malheureusement, je ne sortirai pas plus de contenu, en tout cas pas pour l'instant, pas dans l'état actuel de la chaîne. Il se peut aussi qu'il y a des vidéos malheureusement qui ne sortiront peut-être pas de samedi, peut-être qu'il n'y aura pas de vidéos certains samedis si je j'arrive pas. Si je m'estime que la vidéo est pas assez bonne, j'en sortirai pas. Voilà, c'est comme ça. J'espère que ça vous dérangera pas de ne pas avoir tous les samedis. Soutenez-moi quand même, soutenez la chaîne s'il vous plaît les amis, parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à faire du contenu et que j'ai envie d'en faire. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça descend un peu, ça. Enfin, il y a des hauts, des bas, c'est pas toujours réjouissant, mais bon, on fait avec. Mais voilà, je vais essayer de faire du contenu entre guillemets de meilleure qualité et pas forcément sortir peut-être à chaque fois, même malgré que je vais essayer, hein. Pour les lives, j'en ferai un par mois, pas plus, voire peut-être parfois moins, parce que pareil, les lives, c'est trop compliqué pour moi.
Ou alors il faudrait littéralement que je me mette que au live. J'adore les faire, hein, c'est pas le souci, mais c'est beaucoup de boulot en amont pour arriver à faire un live. C'est pas juste cliquer sur un bouton, voilà, on lance le live et c'est fait. Surtout que j'essaye de faire des live jeux, j'essaye d'avoir des invités, j'essaye vraiment de faire un live qui peut être sympa. Enfin, moi je pense qu'il est sympa. Et je veux pas, je veux pas faire des lives qui ne m'intéressent pas moi-même. Donc voilà. J'ai pensé peut-être faire des. Je ne joue plus du tout à la console de jeu. Le jeu Star Wars que j'avais acheté, que j'avais présenté l'année dernière, j'y ai pas rejoué depuis. Donc ça fait un an que je l'ai acheté juste pour vous faire une petite vidéo et finalement j'ai jamais joué avec. Et j'aimerais beaucoup jouer avec. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer peut-être de faire des lives un peu gaming. Par contre, ça sera pas la qualité d'autres youtubeurs ou d'autres vidéastes du genre gaming. Parce que moi, je vais simplement filmer la télé et me filmer moi. Je vais essayer de faire un truc comme ça, pas trop dégueulasse. Mais je vais pas m'amuser à acheter un boîtier de stream pour connecter l'image de la Switch directement sur le PC, etc. Je vais pas m'amuser avec ça. C'est trop cher, j'ai pas envie. Donc, ça sera un peu, je vous filme l'écran, on fera au mieux. Le son fera au mieux, et voilà. J'ai pensé faire peut-être ça comme ça. Dites-moi déjà ce que vous en pensez de cette idée. Alors, je sais pas du tout quand je les ferai, ça sera un peu au hasard, entre les lives, ou dès que j'ai envie de jouer, et puis je me suis dit, ça ferait un peu d'interaction avec vous. Alors, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si ça peut être sympa ou pas. Voilà, c'est tout. Et je voulais aussi vous dire, n'oubliez pas, que le 6, 7 et 8 mai, je suis en expo à Oswald en Alsace, l'expo Let's Go. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas pour, déjà je vais partager pas mal de choses, les mock challenges que j'ai fait, je vais emmener 2-3 petites choses, vous verrez, il n'y aura pas la ville, mais j'emmènerai 2-3 petites choses qui seront sympas, comme le Pokémon du CréArt, les mock challenges. D'ailleurs, je dévoilerai le mock challenge d'avril qui sortira, la vidéo sort le lundi 8 mai. Mais du coup, vous aurez tout le temps de l'expo pour découvrir en exclusivité le dernier mock challenge. Et je vais aussi emmener 2-3 petites choses comme le modular de l'épicerie fini. Donc avec l'étage, l'appartement que vous avez tous choisi en exclusivité aussi à ce moment-là. Puisque je sortirai la vidéo au courant du mois de mai. Et voilà. Et plein de petites choses. Je vous invite à venir. Et du coup, il y aura aussi des petits jeux. Parce que vous savez, j'aime bien faire des petits jeux. Donc il y aura des petits jeux avec des petits lots à gagner, pas des 1000 et des 100, mais un petit peu. Mais c'est surtout aussi pour se rencontrer, pour ceux qui sont dans le coin et qui auraient envie de me rencontrer, me poser des questions, je vous laisse faire ce que vous voulez, je serai présent et vous pourrez venir à ma rencontre pour discuter et voilà. Aussi, en parlant de lots à gagner, je vous invite encore et toujours pour les 500 abonnés à participer au concours qui aura lieu jusqu'au 1er mai. Le 1er mai, dernier délai, il faudra m'avoir envoyé vos créations. Une petite explication si déjà on y est. Ne vous prenez pas la tête. Le but, c'est de faire un mock par rapport à ma chaîne et aux 500 abonnés. C'est vraiment très facile. Ma chaîne parle de Lego, il suffit de faire du Lego. Si vous connaissez un peu ma chaîne, vous connaissez un peu 2-3 petites choses, je ne veux pas trop vous donner d'indices parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce que vous allez me proposer. Mais c'est du Lego, ça reste sur le thème des Lego. Voilà, vous connaissez ce que je fais, il y a moyen de faire des petits clins d'œil et de faire un petit truc, une petite créa sympa. Voilà, le vote sera fait par vous-même aussi et le gagnant, il aura un lot qui, ma foi, sera sympa parce que déjà, il y a une figurine. Donc c'est déjà sympa, je me suis dit pour les 500, je vais quand même en refaire gagner une. La prochaine sera certainement pour les 1000, pas avant, parce que voilà. Je vous ai déjà expliqué, on va pas réexpliquer. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, vous avez jusqu'au 1er mai, je vais laisser exprès pour avoir les vacances d'avril et on s'y approche. Donc n'hésitez pas à participer. Je vous ai aussi mis sur les réseaux un moment que je voulais faire une FAQ, et si vous aviez des questions, de les poser. J'ai eu quelques questions, mais pas de quoi faire une vidéo FAQ. Donc les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans cette vidéo de me mettre toutes vos questions que vous voulez, toutes les questions, pour que je puisse faire une vidéo sympa FAQ. Ça me plairait beaucoup d'en faire une, mais c'est vrai que j'ai jamais eu trop de questions, ou alors j'y répondais instantanément en live ou etc. Du coup, j'ai jamais pu la faire, mais j'aimerais vraiment beaucoup la faire.
Alors voilà, posez vos questions, sinon tant pis, je répondrai peut-être aux 2-3 questions, je ne sais pas où, mais je ne ferai pas une FAQ pour 2 questions. Voilà, j'ai pas plus à dire, j'espère que cette vidéo est pas trop longue, sera pas trop longue. Du coup, par rapport à cette vidéo, ben, j'aimerais bien avoir votre avis sur l'évolution de la chaîne. Voilà, je vais essayer de faire un petit peu moins, mais mieux, parce que j'ai pas envie de rentrer dans une routine où à un moment j'en aurai marre, et je risque de saturer et de me dire j'arrête la chaîne parce que ça, j'en peux plus. Et j'y suis pas encore, vaut mieux prévenir que guérir, donc je préfère un peu me calmer, et même au niveau de qualité des vidéos, je m'en rends compte qu'il y a des choses que j'aurais voulu faire autrement, et ça m'énerve vraiment de sortir des vidéos pour sortir des vidéos et me dire que derrière, merde, j'aurais attendu une semaine de plus, ou j'aurais dû la refaire, et ça aurait été mieux, et ça m'agace. Du coup, je préfère à la limite, des fois, ne pas sortir de vidéos, et sortir un truc qui soit bien, parce que c'est vrai que ces derniers temps, les vidéos, je les fais un peu en mode course, et j'ai plus envie. Voilà, donc comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, en me disant ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez de mon idée de faire un live gaming un peu à l'arrache, mais de temps à autre, quand ça me prend, et aussi sur ce que vous pensez de la chaîne, etc. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et surtout, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est très important. Et de mettre la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Sur ce, ciao ciao !